Salut les toquets, chapeau. Les toquets en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve pour la suite de la collecte et on va attaquer sans plus tarder. Alors, le premier, comédie fort sympathique de Eric Laven avec Clovis Cornillac et Julie Depardieu. Voilà, on surfe sur le phénomène Poltergeist avec Poltergeist. Vraiment un bon délire, avec pas mal de scènes cultes dedans. Le DVD assez sympa, un vinyle, avec une petite basse ailée au-dessus. Voilà, vraiment, vraiment un bon délire. Ensuite, un petit spectacle enregistré au théâtre du Splendide Saint-Martin, mis en scène par Pascal Legitimus, des grandes heures de Ellie et Judo. Voilà, donc avec les sketchs les plus connus. Hein. Comédie française que j'aime beaucoup, de Charles Némès, qui est assez culte pour moi. Vincent de Sagnier, Bruno Salomon, Armel Dunch, petit caméo de Michael Youn. Le carton, vraiment, vraiment une comédie qui se passe essentiellement juste dans un appartement et c'est vraiment drôle, c'est très bien écrit, il y a des très bonnes blagues. Donc je vous invite à le voir. Si j'ai pas de bêtises, Charles Némès, c'est celui qui a fait la tour Montparnasse Infernal. Film avec Dieudonné, donc Daniel Prévost, Emmanuel DeVos, Michel Bernier, donc Dieudonné. Vive nous, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai jamais vu. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, hein, celui-là. Ensuite, comédie fort fort sympathique avec l'excellente Virginie Efira et le non moins excellent François-Xavier de Maison, c'est la chance de ma vie. Découvert au cinéma, ça fait très la chèvre parce qu'il y a beaucoup de gags, un petit peu dû à la malchance, tout ça. Et c'est vraiment vraiment beau. Je l'ai vu au cinéma, j'avais vraiment beaucoup aimé. Pas vu celui-ci, je crois que c'est l'adaptation française du film Starbucks, film canadien. Ça s'appelle Fonzie, voilà, c'est avec José Garcia et il paraît que c'est vraiment cool. Donc je vois qu'il y a Lucien Jean-Baptiste aussi, il y a Audrey Fleurot et il y a Arnaud de sa mère aussi qui a l'air de faire un caméo. Donc Fonzie, ça fait un an que je dois le regarder, mais bon, tellement de films à voir. Film culte de Claude Lelouch, donc Les uns les autres, énorme casting, hein, Fanny Ardant, Robert Hossein, Jacques Villeray, voilà, entre autres, Paul Prébois, Francis Huster. Donc je crois pas l'avoir vu, ça se passe en 1936, ça a l'air d'être une fresque un peu historique. Je pense que je tarderai pas à me le mater celui-là. Donc Les uns les autres, film assez culte, hein, du cinéma français quand même. Très beau film, voilà, on revient sur du Jacques Villeray, vraiment une super histoire en plus avec Clovis Cornillac et Michel Larocque, donc vraiment un super trio. C'est Malabar Princesse qui est une superbe super histoire avec un enfant. Vraiment 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 beau. Hop. Ensuite, adaptation d'Antoine Decaune de La vie de Coluche avec François-Xavier de Maison dans le rôle de Michel Colucci. Assez sympa, franchement, bien sympa, Coluche, l'histoire d'un mec. C'est un biopic, plutôt pas mal. Hop. Un très bon film avec Vincent Lindon et Audrey Dana, film de Philippe Lioré, Welcome, où en fait, Simon, qui est maître nageur, va entraîner en fait un jeune réfugié pour pouvoir traverser la Manche à la nage. C'est vraiment un beau film. Welcome. Max, très sympa. Joey Starr, Jean-Pierre Marielle et Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, qui est une prostituée, qui porte le joli nom de Max, justement. Et ça va être vraiment sympa. Un petit voyou au grand cœur pour Noël. Max décide d'offrir une rose. Max a 6 ans. Ah non, Max, c'est l'enfant, pardon. Ah ben Rose, oui, c'est, non, c'est son nom, Rose, dedans, pardon. Et il y a François Berléand aussi. Ça fait longtemps que je l'ai vu celui-ci, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Joey Starr est vraiment pas mal en acteur dans Policier Magistral. Comédie avec Dieudonné, Lambert Wilson, Laurent Dutch, voilà, Laurent Dutch que j'aime beaucoup. Hors service, voilà, ça a l'air d'être des espèces d'agents secrets ou braqueurs ou tueurs à gages plutôt. Voilà, ça a l'air sympathique, mais jamais vu. Flic de Beverly Hills, le premier du nom, Axel Foley, voilà. Production Jerry Bruckheimer, c'est réalisé par Martin Brest. Donc le premier, Flic de Beverly Hills, qui n'est pas mon préféré, hein, mon premier reste le troisième, à Wally World. Le 3 est vraiment génial. Les Tuches, je crois que c'est le seul que j'ai, le 1. Je me procurerai sûrement les deux autres. Ah ben c'est marrant parce que dans Les Tuches, c'est pas du tout Les Tuches, c'est Matrioshki. Rien à voir. Très bonne série d'ailleurs. Revue là quelques jours aussi à la télé, enfin il y a pas mal de temps à la télé là. J'ai pris un même plaisir que j'ai pris au cinéma, donc Un plan parfait avec Jan Kruger et Danny Boone. Mon Danny Boone préféré, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films que j'aime avec Danny Boone. Voilà, Un plan parfait, vraiment vraiment une belle comédie. Jan Kruger est parfaite dedans. Bon délire, pareil, vieux cinéma, film de Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Le crocodile du Botswana, donc une caricature d'un dictateur un petit peu africain. Pas mal de messages intéressants dans le film et l'humour des deux fonctionne toujours aussi bien après Casse départ. 12 ans d'âge, qui a l'air d'être une comédie vraiment vraiment sympa avec François Berland et Patrick Chenet. Pas vu pour le coup,
c'est des retraités qui en gros vont vouloir profiter de leurs dernières heures pour faire pour faire plein de choses quoi, et ça a l'air d'être un beau film. Bien eu chez Ch'ti, hein, quand même, parce que pour ceux qui s'affochent, je suis un chetemi, donc voilà, c'est loin d'être mon Danny Boone préféré, c'est un bon film, c'est sympa, mais ça vaut pas tout le tintouin médiatique qu'il y a eu à l'époque. Film de Daniel Cohen, assez intéressant, avec Benoît Poulvord, Les Deux Mondes. Film fantastique où en fait il va devenir le chef d'un monde parallèle, quoi, en gros, d'une espèce de tribu. C'est vraiment, vraiment un beau film où j'aurais bien imaginé Bill Murray par exemple dans ce style de rôle s'il y avait une version américaine, admettons. Film que j'ai pas vu mais paraît qu'il a l'air vraiment bon, avec Pascal Elbé, Piégé, l'histoire toute simple d'un homme qui est le pied sur une mine antipersonnelle en fait, et tout le film se déroule là, et il doit faire attention à pas bouger quoi. Ça a l'air vraiment vraiment cool. Film que j'avais étudié avec ma classe de russe à l'époque, de Nana Djordjadze, avec Micheline Prel et Pierre Richard, c'est le 1001 recettes du cuisinier amoureux, et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça, la plupart du film se passe en Géorgie. Il fait un road trip en fait quoi. Et c'est vraiment, vraiment, de toute façon, Pierre Richard, hein, c'est un immense acteur pour moi. Film de Dominique Farrugia, sympathique, mais c'est pas mon préféré. Avec Gilles Lelouch, Louise Bourgoin, voilà, c'est sous le même toit. C'est sympathique. C'est sympathique. Je vais vous lire le pitch. Donc Delphine et Yvan divorcent alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile. C'est marrant d'ailleurs parce que Delphine et Yvan, Delphine 1 et Yvan 0, si je dis pas de bêtises, c'était le premier film réalisé par Farrugia. Et là, bah, c'est marrant que les deux héros s'appellent Delphine et Yvan. Bref. Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ancienne femme. Il revient alors vivre chez Delphine dans ses 20%. Les deux ex vont alors découvrir les joies de la colocation forcée. Voilà, avec Manu Payet également. Sympathique, Star 80 le film. Voilà, un bon petit moment à voir une ou deux fois, mais c'est pas exceptionnel non plus quoi. 4 garçons pleins d'avenir, film pareil français, pas souvent cité, qui est vraiment intéressant. C'est produit notamment par Thierry Lhermitte. Et il joue dedans en guest aussi, tout comme Roland Giraud par exemple. Et c'est sympa, enfin j'ai plus trop de souvenirs du film, mais c'est plutôt pas mal. Il y a celui qui joue Tanguy, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. La Tour Montparnasse Infernale, hein, donc hein, cultissime également. Avec le film, hop. Alors, hein, si, je pense que tout le monde a vu ce film aussi, au moins une fois. Très bon dessin animé, vraiment, vraiment sympa, avec un casting vocal de taré, hein, Seth Rogen, Bill Hader, Jonah Hill, James Franco, Edward Norton, Salma Hayek, Sausage Party, voilà, partout entre aliments. C'est vraiment drôle, c'est un bon délire, hein, plus... Pareil, ça mérite pas tout le tension médiatique qu'il y a eu autour, quoi, toute l'histoire de qui est autour du film. Film d'Agnès Jaoui, voilà, que Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, bien évidemment, et aussi Benjamin Biolay. Au bout du compte, voilà, c'est une espèce de fable moderne, un petit peu. C'est vraiment sympathique, et le duo Jaoui-Bacri fonctionne toujours aussi bien, et ça se voit, quoi, ça se voit qu'ils sont heureux à deux. Au bout du compte. L'avant-dernier film de cette vidéo, comédie assez culte avec Josiane Balasco et Alain Chabat, c'est Gazon Maudit. Donc voilà, Victoria Abril également, film vraiment culte, hein, des années début 90, je pense, 94. Voilà. Et le dernier de cette vidéo, film avec Jacques Villeret et Martin Lamotte et Anne Romanoff, c'est Golden Boy, ou comment un anonyme va devenir millionnaire suite à une victoire au loto, quoi. Donc voilà, Golden Boy, très sympathique. Et voilà les amis, ça se termine pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouez Nananim et ok. Ciao fucking ciao.